Devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Radio Le Reste. Trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses, et mon âme t'appartient. Oh, comme toi, je veux être doux aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressuscité, glorieux, je célébrerai la grâce avec tous les bienheureux. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je Jésus pour toujours. Il faut
qu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce qu'on peut confirmer si on m'entend, s'il vous plaît? Ok. Alors, désolée pour ce moment d'attente. Eh bien, le lecteur de ce soir n'est pas présent. Alors, je vais pallier à cette situation. Et je vais vous souhaiter à tous déjà une bienvenue pour ce moment, en espérant que cette semaine soit déroulée dans la grâce de Dieu. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Merci Père éternel. Merci pour cette semaine que tu nous as fait grâce, pour le souffle de vie, le soin que tu as pris de nous, et pour ce précieux moment que voici où tu nous permets tous ensemble de pouvoir considérer les écrits de ta messagère. Alors que nous allons avoir ce temps, nous te le remettons et nous te prions de demeurer dans nos cœurs et de nous insuffler ta sagesse et ton Esprit Saint, afin qu'au travers de ces lignes, nous puissions comprendre ta parole, ta volonté pour chacun de nous. Puisses-tu également, hâter les pas de ceux qui doivent être avec nous, et que les cœurs de chacun de nous soient disposés à cette lecture que nous allons avoir. Et tout cela, nous te le réclamons uniquement dans les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. À nouveau, bienvenue pour ceux qui nous auraient rejoints au fur et à mesure. Et ce soir, nous allons continuer donc la lecture de l'ouvrage « Message à la jeunesse ». Et nous sommes arrivés en ce soir au chapitre numéro 87, « Une espérance fondée ». Chapitre 87. Message à la jeunesse, une espérance fondée. Et je vais vous prier de me donner encore quelques petites secondes. Je vais m'assurer d'avoir l'intégralité du chapitre sous les yeux. Très bien. Et donc, il commence à partir de la page 266.1. Et je vais faire cette lecture. Comment saurez-vous que Dieu vous accepte? Étudiez la parole de Dieu avec prière. Ne la laissez pas de côté au profit de n'importe quel livre, de n'importe quel autre livre. L'Écriture convainc de péché et révèle clairement la voie du salut. Elle fait apparaître une glorieuse récompense. Elle vous révèle un sauveur parfait et vous enseigne que seule sa miséricorde insondable peut vous sauver. Ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme de la piété. Demandez avec ferveur la pureté du cœur.
plaider instamment, aussi anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. Restez devant Dieu jusqu'à ce que des soupirs inexprimables montent vers lui pour votre salut. Jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce évidence du pardon de vos péchés. L'espérance de la vie éternelle ne doit pas reposer sur le sable. C'est une affaire à régler et pour l'éternité entre Dieu et votre âme. Une espérance incertaine causera votre ruine. Puisque c'est par la parole de Dieu que vous serez condamné ou justifié, c'est à elle que vous devez demander de vous guider et de vous montrer ce qu'elle exige de vous pour devenir chrétien. Ne déposez pas les armes. Ne quittez pas le champ de bataille avant d'avoir obtenu la victoire totale grâce à votre Rédempteur. La lecture et la musique. Alors, je vais juste m'assurer que je ne commets pas d'impair. Et oui, donc je continue. Jeunes gens et jeunes filles, lisez les ouvrages qui vous donneront une connaissance véritable et seront une aide précieuse à toute la famille. Dites avec fermeté, je ne perdrai pas mon temps à lire ce qui me sera d'aucune utilité et me disqualifiera même pour rendre service à mes semblables. Je consacrerai mon temps et mes forces à me développer pour le service de Dieu. Je fermerai les yeux à ce qui est frivole et coupable. Mes oreilles sont au Seigneur et je veux être sourd au raisonnement subtil de l'ennemi. Ma voix ne sera en aucune manière à la disposition d'une volonté qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et j'emploierai toutes les forces de mon être à poursuivre un noble but. Amen. Eh bien, c'est ainsi que s'achève le chapitre numéro 87. Oui, c'est ainsi que s'achève le chapitre numéro 87 de Message à la jeunesse. Et comme à l'accoutumée, eh bien, nous sommes invités, tout un chacun, à pouvoir intervenir, et cela en levant la main avant 20 heures. Aussi, afin de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, que nos interventions durent 5 minutes maximum et pensons à rester dans le cadre de la lecture. Donc, si vous souhaitez intervenir, que ce soit par un résumé, si vous souhaitez faire un résumé de cette lecture, ou s'il y a des passages qui ont retenu votre attention, ou s'il y a des questionnements qui sont survenus suite à cette lecture, n'hésitez pas à le faire en levant la main par le petit symbole en bas de votre écran, et la parole vous sera accordée. Alors, n'hésitez pas, si bien il y a un passage qui a retenu votre attention, ou si vous avez des questions en lien avec le passage
personnages que nous avons considérés, à pouvoir, pour demander la parole, lever la main et celle-ci vous sera accordée. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, si vous souhaitez faire un résumé. Et si dans 10 secondes, il n'y a pas d'intervention, eh bien, je vais me proposer de refaire la lecture étant donné la petitesse de ce chapitre. Donc, je vais attendre ces fameuses 7 secondes. Très bien. Alors, je me propose de refaire cette lecture, étant donné qu'elle est très courte. Et donc, nous allons bien reconsidérer les lignes du chapitre 87, Une espérance fondée, de l'ouvrage Message à la jeunesse. Comment saurez-vous que Dieu vous accepte ? Étudiez la parole de Dieu avec prière. Ne la laissez pas de côté au profit de n'importe quel autre livre. L'Écriture convainc de péché, révèle clairement la voie du salut. Elle fait apparaître une glorieuse récompense. Elle vous révèle un sauveur parfait et vous enseigne que seule sa miséricorde insondable peut vous sauver. Ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme de la piété. Demandez avec ferveur la pureté du cœur. Plaidez instamment, aussi anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. Restez devant Dieu jusqu'à ce que des soupirs inexprimables montent vers lui pour votre salut, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce évidence du pardon de vos péchés. L'espérance de la vie éternelle ne doit pas reposer sur le sable. C'est une affaire à régler et pour l'éternité entre Dieu et votre âme. Une espérance incertaine causera votre ruine, puisque c'est par la parole de Dieu que vous serez condamné ou justifié. C'est à elle que vous devez demander de vous guider et de vous montrer ce qu'elle exige de vous pour devenir chrétien. Ne déposez pas les armes, ne quittez pas le champ de bataille avant d'avoir obtenu la victoire totale grâce à votre Rédempteur. Jeunes gens et jeunes filles, lisez les ouvrages qui vous donneront une connaissance véritable et seront une aide précieuse à toutes. La famille. Dites avec fermeté, je ne perdrai pas mon temps à lire ce qui ne me sera d'aucune utilité et me disqualifiera même pour rendre service à mes semblables. Je consacrerai mon temps et mes forces à me développer pour le service de Dieu. Je fermerai les yeux à ce qui est frivole et coupable. Mes oreilles sont au Seigneur. Et je veux être sourd au raisonnement subtil de l'ennemi. Ma voix ne sera en aucune manière à la disposition d'une volonté qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et j'emploierai toutes les forces de mon être à poursuivre un noble but. Amen. Donc voilà, pour une seconde fois, eh bien, la lecture de ce chapitre numéro 87 dans le titre est « Une espérance fondée ». Si toutefois, eh bien, à la lumière de cette lecture, vous avez des questions qui surviennent, n'hésitez pas à lever la main et la parole vous sera accordée. Ou si vous souhaitez souligner un passage qui a retenu votre attention, ou si vous souhaitez faire le résumé de ce chapitre, n'hésitez pas. Ce moment est pour vous.
N'hésitez pas à pouvoir intervenir si vous souhaitez eh bien, partager des lignes qui ont retenu votre attention ou s'il y a des questions que vous posez par rapport à cette lecture. Et la parole vous sera accordée en levant la main. Alors, eh bien, je vais montrer l'exemple. D'abord, j'ai déjà levé la main et là, je vais poser une question. Et du coup, la question que j'aimerais poser, eh bien, à la lumière de ce que nous avons lu, comment je vais formuler ça? Quels seraient, en fait, les signes concrets qui nous prouve que nous avons fait une expérience au niveau du pardon de nos péchés par la grâce de Dieu. Quels seraient les signes concrets qui nous permettraient de pouvoir dire que nous avons fait cette expérience au niveau du salut et du pardon de nos péchés par la grâce de Dieu? La question que je pose, et si toutefois vous souhaitez apporter des éléments de réponse, eh bien n'hésitez pas à faire comme j'ai fait en levant la main et la parole vous sera accordée. Oui, Moïse, tu peux intervenir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Ok, bien, merci et bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu attends une réponse venant du texte? Parce que, en fait, j'ai écouté le texte, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Ou alors, ça ressemble plus à un témoignage, ce que tu demandes. Merci. Oui, eh bien, ce peut être les deux. S'il y en a qui, là, ont des réponses concrètes au travers de certaines lignes qu'il propose, ou s'il y en a qui souhaitent apporter des réponses plus au niveau de l'expérience, ça reste dans le cadre. Donc, les deux sont valables pour moi. Oui, Moïse, tu peux prendre la parole. Oui, alors, je vais utiliser la mémoire en partant d'abord du texte. À un moment donné, elle dit, la messagère du Seigneur, que il faut plaider jusqu'à ce qu'on reçoive une douce évidence. Alors, je ne vais pas paraphraser le reste parce que je n'ai pas retenu de manière précise, mais une douce évidence qu'on a été pardonné. Est-ce que c'est bien cela? Alors, là, tu me poses la question à moi ou... Oui, je te pose bien la question parce que, en fait, j'ai pas le texte sous les yeux. Donc, je ne veux pas commettre d'impair. Alors, il me semble que le passage auquel tu fais référence, ce serait 266.2, si je ne me trompe pas. Et si tu veux, je peux relire si ça peut aider. Ok, alors je vais faire la lecture du passage qui se trouve à la page 266.2. Alors également à la page 266.3, les deux en fait paragraphes. Donc ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme de la piété. Demandez avec ferveur la pureté du cœur. Plaidez instamment
aussi anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. Restez devant Dieu jusqu'à ce que des soupirs inexprimables montent vers lui pour votre salut, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce évidence du pardon de vos péchés. Je vais quand même lire le 266.3. L'espérance de la vie éternelle ne doit pas reposer sur le sable. C'est une affaire à régler et pour l'éternité entre Dieu et votre âme. Une espérance incertaine causera votre ruine, puisque c'est par la parole de Dieu que vous serez condamné ou justifié. C'est à elle que vous devez demander de vous guider et de vous montrer ce qu'elle exige de vous pour devenir chrétien. Ne déposez pas les armes, ne quittez pas le champ de bataille avant d'avoir obtenu la victoire totale grâce à votre Rédempteur. Amen. Alors, du coup, j'ai relu les deux passages, Moïse, donc je te laisse la parole. Oui, tu peux intervenir. Oui, donc c'est exactement ça, donc la douce évidence et non pas de la présomption. Et pour développer cela, lorsqu'on se sent pardonné par Dieu, eh bien, nos forces se renouvellent. Nos forces se renouvellent. On sent une vigueur mentale, une vigueur spirituelle et même une vigueur physique. D'ailleurs, il y a un texte de Proverbe qui dit « Ce sera un remède pour tes os, etc. » J'essaie de revoir ça rapidement là. Donc, Proverbe 3, verset 8, qui nous dit « Ne sois point sage, alors je prends verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voilà, donc on voit que le pardon de Dieu nous rafraîchit. On se sent rafraîchi et c'est comme si c'était une vie nouvelle qui commence et on est prompt à pouvoir servir et encore mieux qu'avant. Malgré la défaite auparavant. Que je te bénisse. Amen. Bien, merci Moïse pour ces éléments de réponse qui effectivement émanent du texte lui-même. Donc la douce évidence du pardon de nos péchés et le fait également de pouvoir plaider instamment. Donc voilà, il y a Daniel qui demande la parole. N'hésite pas, tu peux intervenir Daniel. Bonsoir à tous. Voilà, simplement, je voudrais dire, pour répondre à ta question, ben, tout simplement, quand on les signes qui montrent que Dieu nous a pardonné, c'est tout simplement, pour ma part à moi, c'est quand tu as tout d'un coup un tourment intérieur qui disparaît et que la paix, tu as une paix une paix surnaturelle qui vient et qui est, c'est même indicible. Amen. Amen. Merci Daniel pour ce témoignage et ce que tu dis fait écho à ce passage et d'ailleurs fait écho à ce que Moïse aussi a exprimé. Donc ce sentiment de plénitude, de paix, eh bien il nous est fait mention de cela au travers du passage de Philippiens. Philippiens, le chapitre 4, le verset 7 et qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc effectivement, lorsque l'on est débarrassé d'un fardeau, normalement on se sent comment ? C'est une évidence, on se sent léger. C'est la même chose aussi avec l'esprit en fait. L'esprit devient en paix, il devient léger, le cœur est léger parce qu'on sait que ce fardeau a été enlevé, on ne le ressent plus, on ne le considère plus, on a accepté en fait le cadeau que Jésus nous fait de pouvoir prendre ce fardeau et de l'endosser lui-même. Et c'est une expérience merveilleuse. Donc gloire à Dieu pour ces éléments de réponse qui répondaient à cette question, à savoir quels sont les signes qui nous permettent de savoir que nos péchés ont été pardonnés, que nous avons fait cette expérience au niveau du salut. S'il y a d'autres éléments qui vous ont marqué dans cette lecture, n'hésitez pas à pouvoir les partager en levant la main et la parole vous sera accordée. Ou si toutefois, vous souhaitez faire un résumé de ce que vous avez retenu de ce chapitre, c'est également le moment. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais à nouveau me proposer de pouvoir intervenir et de ce fait, j'aurai une question encore à poser. Il nous est fait mention effectivement d'une douce évidence dans ce passage. On a vu l'aspect de pouvoir plaider en prière pour notre salut, pour le pardon de notre péché, de nos péchés. Ok. Maintenant, j'aimerais demander comment pouvons-nous être sûrs que notre espérance repose véritablement en Dieu et sur sa parole et non sur des sentiments qui seraient incertains? Comment être sûr que notre espérance elle est véritablement sur Dieu, sa parole, la vérité, et non pas sur des sentiments, des émotions, des choses qu'on pourrait ressentir. Comment être assuré de cela? N'hésitez pas, si vous souhaitez vous proposer pour répondre à cette question, à lever la main comme vient de le faire Moïse. Et tu peux prendre la parole, Moïse. Ok, test. Oui, on t'entend très bien. Ok, merci. Ta question, elle est vraiment très pertinente. Et il y a plusieurs angles de réponse, mais il y a une seule évidence, c'est que... la réponse était un peu dans ta question, puisque tu as parlé de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, il faut l'éprouver, il faut la mettre à l'épreuve. Et nous avons parlé aussi des opinions la dernière fois. Et des fois, les opinions naissent, les fausses opinions naissent des sentiments. Et il faut remplacer par eux, il est écrit. Par exemple, je vais reprendre le texte que j'ai proposé auparavant. Donc, c'était Proverbe 3. Verset 7. Avec Dieu, il y a toujours une demande de sa part. Il y a quelque chose qu'il nous demande et ensuite vient la promesse. Par exemple, dans Proverbe 3, verset 7, il est dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc, dans un premier temps, je dois abandonner la chose mauvaise que je fais. Donc, là, ce n'est pas des sentiments, ce sont des actes. C'est du factuel, c'est du concret.
c'est de l'objectif, c'est pas du subjectif. C'est-à-dire il y a quelque chose. Il est dit détourne-toi du mal. C'est-à-dire que mon cœur était attaché à quelque chose, à un objet mauvais, et Dieu me demande de m'en détourner. Alors il m'a dit crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Jean-Christophe a pu le dire en appui de ce que la sœur White avait dit aussi, c'est que un texte explique un autre texte. Et toute personne doit savoir regarder, crains l'Éternel, ce que ça veut dire. Proverbe va nous définir la crainte de l'Éternel. Je crois que c'est dans le chapitre 8 ou chapitre 9 de Proverbe. Donc, on aura cette définition-là pour savoir encore, parce que chaque mot a sa définition. Et lorsqu'on a la définition des mots, c'est-à-dire qu'on a la concrétisation du mot et de ce que Dieu nous demande. Et ensuite, il est dit de tout droit du mal, donc on a l'objet, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite vient la promesse, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc en fait, il est écrit. Il faut venir devant Dieu, pas avec nos sentiments. Il faut apporter devant Dieu sa propre parole, puisque c'est sa propre parole qui nous juge, qui nous condamne ou qui nous sauve. Il faut mettre Dieu devant sa propre législation. De la même manière que lorsqu'on va devant un juge et lorsqu'on a un avocat, l'avocat ne va pas apporter vos sentiments. Il va apporter des pièces, des documents pour, en fait, attester ce que vous alléguez. On ne viendra devant Dieu qu'avec sa parole, en fait. D'ailleurs, la Sourate nous enseigne que lorsqu'on connaîtra mieux le Seigneur, nos prières vont changer aussi, puisque on saura dire des choses, on saura parler du langage que Dieu nous demande d'avoir devant lui. Alors, ça n'empêchera pas que Jésus va toujours passer derrière pour corriger, puisqu'il a une meilleure plaidoirie que nous. Mais nous devons employer des mots que Dieu connaît. Or, que Dieu connaît que la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il faut éprouver Dieu par sa propre parole. Et lorsque nous faisons ça, eh bien, nos sentiments, nos émotions ne sont pas là. Là, c'est sa parole. Que je vous bénisse. Amen. Eh bien, merci Moïse pour cette réponse, effectivement, et qui apporte des éléments très concrets. Et le fait de pouvoir, eh bien, s'assurer que notre espérance est en Dieu, c'est quelque chose de très concret et qui doit se baser non pas sur des émotions ou des ressentis, mais comme tu l'as bien exprimé, eh bien, quelque part, il faut confronter, en fait, eh bien, la parole de Dieu à notre vie, à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à nos croyances, pour pouvoir nous assurer si, eh bien, nous sommes en conformité avec celle-ci. Et effectivement, il n'y a pas de place pour les émotions à ce niveau-là. Et l'exemple au niveau du tribunal était assez pertinent là-dessus. Donc, gloire à Dieu pour cela. Si toutefois quelqu'un d'autre était poussé à vouloir aussi apporter des éléments, ne vous sentez pas frustré de pouvoir intervenir, n'hésitez pas aussi à lever la main et la parole vous sera accordée. Alors, je remercie Moïse pour son intervention. Je ne vois pas d'autres interventions qui pourraient peut-être aussi apporter ces éléments de réponse. Oui, Moïse, tu peux intervenir. Oui. Alors, je lis sa parole là, tout cas, du coup. Désolé. Alors, Chuka, tu peux intervenir.
Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir, on t'entend. Merci. J'aimerais intervenir en utilisant 4 points. Le premier point, c'est par rapport à l'unique éthiopien. Lorsqu'il est en train de lire sa Bible, donc l'Esprit a envoyé Philippe pour aller l'encourager et l'engager dans la vraie voie. Et après avoir eu la clarté sur la parole de Dieu, il s'est donné et ensemble pour montrer réellement qu'il a eu la satisfaction, il a gagné le salut. Donc, c'est là que je vois que là où Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, l'évidence que nous pouvons trouver est que un homme qui est rassuré, qui l'est sauvé, ne fuit pas les autres. Ils s'encouragent plutôt ensemble et s'engagent ensemble pour Alors, Chuka, je suis désolée. La parole de Dieu. La parole de Dieu devient des. En fait, il y a énormément de coupures. Alors, Moïse, tu demandes la parole, mais j'entends encore Chuka qui parle. Donc, je ne sais pas si. Tout le monde entend mal Chuka, j'imagine. Il faudrait que tu puisses te reconnecter parce que ça, il y a énormément de coupures et on ne t'entend pas. Alors, je ne suis pas sûre que Chuka nous entende parce qu'il continue à parler. Alors, voilà, il y avait énormément de coupures quand tu étais en train d'intervenir et du coup, on a du mal à comprendre ce que tu dis. Donc, il faudrait peut-être te déconnecter et revenir ensuite parce qu'on a du mal à comprendre ce que tu dis, ça coupe énormément. En attendant, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Et ce faisant, en levant la main. Alors, il me semble que Moïse voulait intervenir juste au moment où Chuka avait demandé la parole. Si c'est toujours le cas, tu peux intervenir, Moïse, en attendant qu'il puisse se reconnecter. Oui, tu m'entends. Alors, oui. Chuka pose une question, je crois. Il a dit quelque chose. Alors,
Oui, tu vois, en fait, quand tu étais en train d'intervenir, il y avait énormément de coupures et on ne comprenait pas ce que tu disais, en fait. Donc, il faudrait que tu puisses te déconnecter et te reconnecter. Et si toutefois il n'a pas compris, je vais l'écrire et Moïse, tu peux prendre la parole. Ok. Oui, alors tout à l'heure là, en fait, lorsqu'il parlait, je m'étais trompé. Je voulais juste confirmer qu'il avait entendu pas et puis je me suis trompé de smiley. Du coup, ce qui m'a interpellé, en tout cas par rapport à la question que tu as posée, la dernière question, pour faire un petit témoignage dans le créneau de 5 minutes. Et hier, je suivais une formation avec un avocat, et c'était une formation d'éloquence qui nous est imposée. Et cette formation-là, c'est pas une formation qui m'intéresse tant que ça, parce que il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités. Et voilà, au premier abord, je n'y voyais pas d'intérêt. Mais en fait, c'est un cours qui permet aux futurs avocats, futurs juristes, de pouvoir parler librement hors des, on va dire hors des codes, et de pouvoir dire vraiment ce qu'ils pensent. Il y a de ceux qui, voilà, qui s'expriment d'une manière dont ils n'ont pas l'occasion, mais ce cours est fait pour ça. Et pendant ces cours-là, eh ben, j'en ai profité pour prendre des positions sur des événements de la société et par rapport à Dieu. Et finalement, lorsqu'on me disait quel genre d'auteur que je disais, ben, je disais, ben, je lis ma Bible et j'aime beaucoup, pour moi, Jésus, c'est le meilleur orateur que le monde n'ait jamais connu, et sa sagesse m'intéresse au-dessus de toute chose. Donc ça, c'est accepté, ça dérangeait pas des gens. Et hier, le formateur, spécialement, il a voulu savoir plus sur moi, parce que il voyait que j'avais un zèle pour défendre le Christ. Et il me disait, d'où sors-tu, c'est quoi ta religion, etc. Et je lui parle de la religion, et il voyait que il connaissait pas cette religion-là. Je lui ai parlé, et il m'a demandé, est-ce que ma religion est issue de Martin Luther? Alors je lui dis que nous reconnaissons que Luther est un réformateur, et dans un sens un pionnier, mais que nous avons continué à nous réformer, et que notre religion actuelle n'est pas comme Luther, mais en tout cas on le reconnaît comme pionnier. Et il m'a dit donc, et comme il connaît cela un peu, il m'a dit, mais vous, vous dites l'écriture seule. Et je lui ai confirmé, je lui ai dit, oui, c'est l'écriture seule. Et il m'a dit, mais c'est un peu arrogant de penser comme ça, comme si que tout est écrit. Et j'ai dit, mais j'ai dit au formateur que vous êtes catholique. Et vous-même, donc si vous êtes catholique, vous reconnaissez que Jésus est le maître et le chef des chrétiens. Et il m'a dit oui. J'ai dit, ben, le chef des chrétiens, bien, lorsqu'il a remporté la victoire contre la tentation du diable, les tentations du diable, eh bien, il a répondu, il est écrit. Et voilà, on va dire par un peu de fierté, il a voulu, il a esquissé un mot de désaccord, mais il n'a pas prolongé sur ça, donc. Cette lecture-là me fait voir aussi que le chef des chrétiens, le chef suprême, Jésus, eh bien, il s'est appuyé sur les Écritures, il s'est appuyé sur les Écritures pour gagner. Il n'a pas fait de. Il n'a pas pu faire de la prétention, des sentiments,
dans la présomption, eh bien, non, il s'est appuyé. Donc, si on dit que c'est notre modèle, eh bien, on devrait faire pareil. Et c'est par la parole que Jésus a vaincu. Eh bien, c'est par la parole que nous vaincrons aussi. Les causes, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Moïse pour ce témoignage. Et gloire à Dieu pour cela qui nous pousse à ce zèle pour pouvoir parler de sa parole et surtout la vivre en réalité. Puisque si l'on considère le dernier paragraphe, c'est un appel à ce que chacun de nous puissions agir exactement comme il est écrit en fait. Il est dit, jeunes gens et jeunes filles, lisez les ouvrages qui vous donneront une connaissance véritable. Quel ouvrage, mieux que la Bible, peut nous donner une connaissance véritable? Et vous serez d'une aide précieuse pour toute la famille. Dites avec fermeté, je ne prendrai pas mon temps à lire ce qui ne me sera d'aucune utilité et me disqualifiera même pour rendre service à mes semblables. Je consacrerai mon temps, mes forces, à me développer pour le service de Dieu. Je fermerai les yeux à ce qui est frivole et coupable. Mes oreilles sont au Seigneur et je veux être sourd au raisonnement subtil de l'ennemi. Là, je vais faire une petite pause. Il est dit, mes oreilles sont au Seigneur et je veux être sourd au raisonnement subtil de l'ennemi. Est-ce qu'on a conscience que l'ennemi nous parle dans notre tête? En tout cas, ici, la messagère nous encourage à être sourd au raisonnement subtil de l'ennemi. Et si nous prenons conscience qu'effectivement l'ennemi peut nous parler, eh bien nous pouvons avoir dans notre tête des choses qui sont à chasser en fait. Et je vois qu'il y a une demande de parole, je ne sais pas encore qui. Alors c'est le pasteur, donc tu peux prendre la parole, vas-y. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Corrie Zambi, merci pour la parole. Alors, oui, et j'ai beaucoup apprécié les interventions de chacun, tous ceux qui sont intervenus ce soir. Et pour avoir une espérance fondée, la messagère nous invite à étudier la parole de Dieu avec prière. Il est dit que l'Écriture convainc de péché et révèle clairement la voie du salut. Il nous est dit aussi puisque c'est par la parole de Dieu que vous serez condamné ou justifié, c'est à elle que vous devez demander de vous guider et de vous montrer ce qu'elle exige de vous pour devenir chrétien. D'après tout ce qu'on a lu ce soir et ce qui a été lu là, ce que j'ai souligné, on doit aller dans la parole de Dieu. On doit être dans la parole de Dieu. J'aimerais savoir, je vais poser des questions, et vous allez comprendre l'objectif de ces questions, mais est-ce que pour être sauvé, est-ce que pour être guéri, on doit aller consulter des références de psychologie mondaine? Est-ce que pour être sauvé, pour être guéri, on doit écouter des personnes qui nous parlent sans nous apporter des fondements scripturaires pour nous déclarer notre condition, pour nous dire si ce qu'on fait est bon ou pas, pour nous décrire notre état? En résumé,
Est-ce que un chrétien, quelqu'un qui veut être chrétien, peut se contenter, peut s'habituer à avoir tendance à écouter la voix des hommes plutôt que la voix de Dieu? En tout cas, la lecture de ce soir est très claire et le miroir qui nous révèle notre état, il nous est dit en Jacques, c'est la loi, donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous décrit notre condition, c'est par le Saint-Esprit le Saint-Esprit avec l'instrument que la parole de Dieu nous convainc de péché, donc nous décrit en fait notre état. Voilà, c'est pas la psychologie mondaine, ce ne sont pas je ne sais quelle référence, qui peut exister, en tout cas sur la terre. Alors, si on est dans le monde, on peut comprendre que les gens qui sont dans le monde, ben, ils sont dans le monde, donc ils font ça. Mais est-ce que la jeunesse du peuple de Dieu, est-ce que le peuple de Dieu, notamment sa jeunesse, peut fonder son espérance sur autre chose que la parole de Dieu, en fait. En tout cas, plaise à Dieu que nous nous préparions avec la parole de Dieu et des ouvrages qui augmentent notre amour pour la parole de Dieu et nous éclairent aussi sur la parole de Dieu. Et Dieu, la messagère nous a dit que lorsqu'il y aura l'apostasie qui va arriver dans l'adventisme, il y aura des ouvrages nouveaux qui seront produits, en fait. Donc, les ouvrages qu'on doit promouvoir sont les ouvrages, OK? Des ouvrages d'hommes qui connaissent le message. Et c'est-à-dire des ouvrages qui contiennent les fondamentaux, en fait, les enseignements fondamentaux. Donc, lorsque on veut savoir où est-ce qu'on en est, nous avons la parole de Dieu qui est la grande lumière. Nous avons également l'esprit de prophétie. Et nous avons, troisièmement, des hommes qui ont travaillé pour clarifier la parole de Dieu avec des études bibliques, des pionniers adventistes. Plaise à Dieu que nous puissions écouter la voix, sa voix à lui, la voix de sa messagère, la voix vivante des témoins du Seigneur, plutôt que la voix du diable au travers de la psychologie mondaine. Que Dieu nous bénisse. Maranatha. Amen. Merci, pasteur, pour ton intervention. Alors du coup, tu as posé des questions, mais semble-t-il, tu as répondu à ces questions. Je vois néanmoins que Moïse a demandé la parole. Tu peux intervenir, Moïse? Oui, donc effectivement, le pasteur, il a répondu à ces questions, donc c'était des questions rhétoriques, je le crois. Toutefois, ce que le ministre de l'Évangile a avancé m'interpelle, notamment parce que il est dit que quand Jésus déclare « Vous êtes la lumière du monde », on a l'impression que Jésus le déclare et puis c'est fait, on est la lumière du monde et puis ça va. Mais en fait, lorsque Jésus dit ça, ben, il fait deux pieds en deux coups, c'est qu'il nous montre, premièrement, que, comme le pasteur l'a dit, que nous n'avons pas à chercher la lumière ailleurs, puisque il nous dit, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il a déposé un dépôt sacré sur son peuple,
et que son peuple n'a pas à les chercher ailleurs. D'ailleurs, son père va dire, alors c'est Jésus qui va le relater dans Ésaïe, est-ce qu'un peuple ira sans consulter son Dieu? C'est fort, ça, ce que Dieu dit là, en fait. C'est que toute chose qu'on va faire, est-ce qu'on ira sans le consulter, en fait? Voilà. Et la deuxième chose, c'est que lorsque Jésus nous dit de venir du monde, il nous interroge sur notre propre condition, c'est-à-dire, est-ce qu'on est porteur vraiment de cette lumière dans nos cœurs, en fait? Parce que lorsque vous regardez une ampoule, il y a le contenant. Il y a le contenant, donc l'extérieur, on voit le verre. Mais en fait, ce qui brille, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que, est-ce que la lumière est à l'intérieur de nous, de moi, et pour faire briller? Cela, pourquoi c'est une question importante? Parce que cela me fait penser à Jonas. Ou bien, d'autres personnes disent Jonas. Moi, je dis Jonas. En fait, Jonas était la lumière pour Ninive, dans un sens. C'est-à-dire que avant qu'il se décide d'obéir, eh bien, il a commencé par désobéir. Et lorsqu'il y a eu, il était sur l'embarcation, la lumière qu'il devait porter s'est changée en malédiction pour les autres, parce qu'il ne faisait pas son travail. Donc, il était une malédiction pour les autres. Et ça, c'est fort, en fait, de se dire que nous avons reçu des choses, et puis, si nous ne l'appliquons pas, eh bien, on sera dans le monde, mais on verra les choses qui se passent dans le monde. Mais, alors, en parole, on pourra dire aux gens, c'est pas bien ce que vous faites. Mais comme la lumière n'est pas dans notre cœur, en fait, les gens seront insensibles à ce qu'on dit. Parce que des fois, en fait, on dit que oui, les gens ne reçoivent pas la parole parce qu'ils sont ratés. On se dit ça comme ça et puis on croit qu'on a fait notre travail et c'est terminé. Mais en fait, c'est peut-être parce que les gens n'ont même pas vu la lumière en nous, en fait. Voilà, on a parlé d'une lumière, mais on n'a pas reflété la lumière. Et donc, c'est ce que je pourrais me dire sur le pavé de la mort que le pasteur a jeté. Et en tout cas, ce fut édifiant pour moi. Je vous dis. Amen. Eh bien, merci Moïse pour cette intervention également et ce témoignage supplémentaire. Et nous sommes en train d'approcher de la fin de ce service puisque nous avons ensuite l'ouverture du sabbat qui approche. Néanmoins, il y a eu pas mal d'interventions qui furent riches chacune, pour chacune. Et effectivement, cela nous pousse à de l'introspection. Nous avons vu plusieurs aspects, notamment dans ce chapitre, qui nous encouragent à étudier la parole de Dieu et à l'étudier avec prière. Et de surtout pas la négliger au profit de certains ou d'autres ouvrages qui ne vont pas justement nous élever. Nous avons vu donc l'importance de l'étude de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous enseigner sur la voie qui mène au salut, sur notre Sauveur,
qui va nous révéler la miséricorde insondable de Dieu. La parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. Donc on a vu déjà ce premier aspect. Dans ce chapitre, on a vu aussi l'importance de la prière secrète. Nous sommes encouragés à prier secrètement et à persévérer dans la prière, à ne pas nous relâcher, de prier avec ferveur et jusqu'à ce qu'on obtienne la douce évidence du pardon des péchés. L'importance de la prière secrète. Donc, nous avons vu l'importance de l'étude de la parole de Dieu, tout ce que cela implique, l'importance de la prière secrète. Et également, eh bien, nous avons vu le fait que notre vie se doit d'être en conformité avec cette parole si nous désirons servir Dieu. Et eh bien, parce que cette parole soit nous condamne ou soit elle nous justifie. Donc, nous devons avoir une expérience vivante de cette parole pour que notre espérance soit certaine. Nous devons expérimenter la parole de Dieu. Donc, étudier la parole de Dieu, très important la prière secrète, ne pas se relâcher avec persévérance, et expérimenter la parole de Dieu, la mettre en application. Et en dernier lieu, c'est toujours par rapport justement à cette application, eh bien, le texte nous encourage à lire eh bien, les ouvrages, notamment eh bien, la parole de Dieu, mais aussi les écrits inspirés, qui vont nous apporter la connaissance dont nous avons besoin pour être affermis dans cette parole et surtout pour pouvoir développer nos qualités, les talents que Dieu nous donne pour être au service des autres. Donc nous devons fermer nos yeux à ce qui est mauvais, être sourds au raisonnement de l'ennemi, et pour cela, eh bien, il faut garder en tête la parole de Dieu que nous avons étudiée en premier lieu, et elle nous sert de cadre, de limite, pour ne pas laisser ces pensées que l'ennemi veut nous suggérer nous imprégner, et eh bien, à nous consacrer de toutes nos forces à pouvoir eh bien, faire la volonté de Dieu en tout temps. Donc voilà, tout ce que nous avons pu considérer au travers de ce chapitre 87, une espérance fondée, une espérance concrète. Donc voilà, et au vu de l'heure, eh bien, je vais vous proposer que nous puissions maintenant eh bien, nous diriger vers la prière. Et je tiens à remercier tout un chacun pour vos présences, vos participations qui ont contribué à rendre ce moment édifiant. Et je vous invite donc à prendre la position qu'il convient pour la prière. Merci Père éternel. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, non seulement de pouvoir librement encore étudier ta parole, prier en toute liberté, ce temps que tu nous confies pour que nous puissions être préparés à vivre à tes côtés éternellement. Mais surtout, nous te remercions pour le pardon que tu nous offres de nos péchés, pour le sang précieux de notre Sauveur Jésus. Nous avons considéré cette lecture qui, eh bien, doit faire son œuvre dans la vie de chacun de nous, puisque nous voyons au travers de celle-ci tout ce que nous devons faire pour pouvoir te ressembler et faire ta volonté. Nous savons, Père, que le salut ne vient uniquement de ta grâce que tu nous révèles au travers de ta parole, la Bible, et non pas des œuvres humaines ou des raisonnements humains ou de quelques scientifiques ou autres, mais bel et bien de la grâce que tu nous révèles au travers de ta parole, du sang précieux qui a été versé pour nos péchés. Aide-nous, Père, à pouvoir étudier, méditer sur ta parole chaque jour et que nous puissions mettre de côté tout autre livre ou toute autre lecture qui viendrait souiller le temple
de notre corps, le temple de ton Esprit Saint. Aide-nous, Père, à persévérer dans ces efforts chaque jour, à mourir à nous-mêmes, à tout ce qui pourrait nous éloigner de toi et de la sanctification. Aide-nous à pouvoir nous saisir de tes promesses et accepter que tu accomplis cette œuvre dans nos vies et que nous puissions obéir à ta parole dans la joie, parce que tes commandements ne sont pas pénibles. Guide-nous pas, Père, et que nous puissions chaque jour nous appuyer sur ta parole et tes promesses. Accomplis cette œuvre dans nos vies. Et ainsi, eh bien, glorifier ton nom en tout temps. Merci encore pour ce moment que tu nous as accordé, pour cette lecture et ce qu'elle accomplit dans nos vies. Puisses-tu bénir chacune des âmes inclinées devant toi, nous garder pour le prochain service d'ouverture du sabbat, et que nous puissions demeurer dans ce saint jour, dans ton saint jour, eh bien, dans ta paix et ta grâce. Garde les pas de chacun de nous, nos pensées, nos paroles, puisses-tu bénir toutes les âmes inclinées devant toi. Et ce sont les grâces, Père, que nous te prions, uniquement dans les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, le pasteur doit faire une annonce spéciale. Eh bien, oui, je te laisse la parole, tu peux intervenir. Dans les mérites de notre Sauveur. Amen. Eh bien, oui, bon, merci pour la parole. Alors, je vous informe. OK. Donc, je vous informe que ce soir, alors, je vais commencer rapide par la façon suivante. Lundi prochain, les lectures de l'esprit de prophétie se poursuivent. Simplement, elles n'auront plus lieu à partir de cette salle Jitsi. D'accord? La salle Jitsi, MIT, depuis laquelle nous avons transféré les lectures de l'esprit de prophétie, ne sera plus un point de rencontre. D'accord? Les lectures seront dorénavant enregistré, d'accord, par et ses préparations, le reste qui va gérer tout ça, et elles seront publiées sur YouTube à 19h du lundi au vendredi, d'accord. Donc les lectures se poursuivent, mais en publication, et vous serez invité à la fin de la lecture, si vous avez des commentaires, à pouvoir les et des questions, les poser dans le chat et l'équipe y répondra. Donc, voilà. Et comme c'est enregistré, eh bien, vous pourrez réécouter. Et voilà. Que Dieu nous bénisse tous et bon début de sabbat. À très bientôt. Merci et bon début de sabbat également à chacun d'entre nous. Et nous sommes invités à eh bien, l'ouverture du sabbat sur la salle Jitsi de l'église ASJH 1889 de France. Chers amis, voici le programme des diffusions et publications de préparation le reste, selon l'heure de Paris. Tous les jours, à partir de minuit, publication de la méditation quotidienne sur YouTube et la radio. Le dimanche, à partir de 19h, publication de l'émission Les signes des temps sur YouTube et la radio. Du lundi au vendredi, à partir de 19h, publication de la lecture de l'esprit de prophétie sur YouTube et la radio. Le samedi, à partir de 19h30, retransmission des services ASJH 1889 sur YouTube. À partir de 15h,
publication de la prédication hebdomadaire sur YouTube et la radio. À partir de 19h, publication de l'émission La Bible répond sur YouTube et la radio. Le Reste TV et Le Reste Radio sont diffusés partout, sur smartphone, tablette, ordinateur fixe et portable. Le Reste Radio est également diffusé sur les applications radio.fr et Simple Radio, toutes deux disponibles sur l'App Store et sur Google Play. À bientôt sur leReste.org.